Bonjour à vous, Jean Echenoz. Bonjour. Vous nous faites le plaisir de participer à cette série de masterclass dont le but est de tenter de s'approcher le plus possible du processus de création d'une œuvre. Et votre œuvre, justement, Jean Echenoz, elle débute en 1979 avec un premier roman, Le Méridien de Greenwich, premier roman que vous publiez aux éditions de Minuit alors que vous avez 32 ans. Édition auquel vous resterez fidèle, et cela même si Jérôme Lindon vous a fait, je crois, un peu souffrir en refusant de publier votre deuxième roman. Oui, oui, mais j'ai raconté ça dans un petit texte que j'ai écrit après sa mort, oui, puisqu'il avait cette manie de refuser les deuxièmes textes. Pas toujours, d'ailleurs, c'était pas systématique, mais je crois que pour lui, c'était une espèce de peu de mise à l'épreuve. En ce qui me concerne, je crois qu'il avait tout à fait raison, parce que c'est un texte que j'avais fait sans doute plus pour le publier que pour l'écrire. Il y a une nuance quand même importante. Oui, oui, je crois que parmi les auteurs de cette maison, on a été nombreux à se voir opposer un refus au moment du deuxième texte, et puis après, ou bien ça se défait tout à fait les relations, ou bien ça se construisait sur de nouvelles bases. Et voilà, ça s'est reconstruit. Et ce petit livre que vous avez donc intitulé Jérôme Lindon, c'est un portrait. Il faut dire que vous aimez beaucoup ce genre-là, le genre du portrait. Et donc vous avez publié une suite de romans biographiques qui a débuté avec Ravel en 2006, suivi de Courir, consacré à l'athlète Émile Zatopek, c'était en 2008. Et enfin Des éclairs en 2010, inspiré par l'inventeur américain d'origine serbe, Nikola Tesla. Mais il n'y a pas que les biographies romancées dans votre œuvre. Vous explorez tous les types de genres littéraires, le genre du roman d'aventure avec L'équipe et malaise en 86, le roman fantastique avec Nous trois en 92, et surtout le polar avec par exemple Shiroki, qui vous a valu le prix Médicis, c'était en 1983. C'était également votre premier succès de librairie pour ce qui était alors votre deuxième roman publié, donc le troisième après celui qu'on vous a refusé. Mais on pourrait aussi considérer que la plupart de vos romans comportent des intrigues de type policière, comme votre dernier roman, Envoyé spécial, qui est un livre dans lequel des barbouzes enlèvent une Française pour l'envoyer en mission séduction en Corée du Nord. Et puis, je voudrais signaler d'autres livres qui sont importants. Les Grandes Blondes en 1995, Je m'en vais en 1999, avec lequel vous avez obtenu le prix Goncourt, Au piano en 2003, soit en tout 17 ouvrages en 37 ans de publication. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean Echenoz, du travail accompli? Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Non. Si je peux faire une petite modification sur ce que, enfin une petite nuance, il y avait un roman qui s'appelait Nous trois, qui c'était pas vraiment le genre fantastique, parce que à première vue j'ai pas une sympathie, enfin comme auteur, comme lecteur j'ai une sympathie presque générale, mais c'était pas vraiment un roman fantastique, j'y viens parce que je crois qu'on doit parler un peu des histoires de construction. Exactement. Et ce roman, Nous trois, en fait, c'était au départ deux projets de roman, parce que je voulais faire quelque chose autour de une espèce de film catastrophe, et puis je voulais faire aussi quelque chose du côté du space opéra, pour parler très très vite. Et je me trouvais un peu à court sur chacun de ces deux projets, ce qui fait que je les ai fusionnés en un seul. Donc ça, c'est pas vraiment fantastique. Il y a un truc qui s'appelle Au piano, qui entrerait plutôt, enfin, qui jouerait un petit peu avec le genre du fantastique, mais c'est pas une obsession de vouloir absolument explorer tous les genres possibles. J'en serais tout à fait incapable. Ça s'est passé comme ça. Je peux vous dire comment ça s'est passé au départ, mais oui, alors pourquoi pas, allons-y. Pourquoi? Comment ça s'est passé au départ? Ce qui s'est passé, enfin, si on se replace un peu. Dans ce qui était, disons, l'idéologie littéraire globale dans les années 70, c'était un moment où le roman avait pas du tout de... C'était un des moments où le roman était dans un état de faiblesse, quoi. Parce que dans les années 70, il me semble qu'on lisait surtout
de la théorie. On lisait beaucoup de psychanalyse, de linguistique, d'écrit politique, etc. Philosophie. Et sur le plan de l'invention littéraire, c'était, disons pour parler vite, une ou des avant-gardes. C'est-à-dire une espèce de terrain duquel la fiction n'avait plus beaucoup de place. Et dans ces années-là, je crois que c'était pas facile de d'écrire. Je crois que dans ces années-là, il y avait peut-être qui a construit quelque chose de l'ordre du roman. C'est peut-être Modiano, en fait, à ce moment-là, qui commençait ou plutôt qui poursuivait une œuvre singulière. Mais c'était un sale temps pour le roman. Et moi, j'avais le désir d'écrire depuis très longtemps, mais écrire quoi? Parce qu'il y a toute une période de la vie où écrire est un verbe intransitif, quoi. On a envie d'écrire. Ce que je savais, c'était que je voulais travailler sur le mode du roman, mais justement, ce mode du roman, à ce moment-là, fait d'une certaine manière défaut. Et outre toutes les lectures que j'ai pu accumuler dans la littérature universelle, enfin ce que j'ai pu en retirer, j'ai eu une période où je lisais beaucoup de romans policiers, et il m'a semblé que ça c'était une voie d'entrée possible, au fond, d'écrire un roman policier. Mais écrire un roman policier qui serait pour la série noire, hein, pour une des nombreuses collections qui existaient à cette époque-là, et je me suis engagé là-dedans, et puis pour me rendre compte assez vite que la mise en marche de ce projet ne cadrait pas très bien avec les canons traditionnels du roman policier. Bon, je me suis trouvé en train de faire un truc qui ressemblait à rien, pour parler vite, et donc une fois cet objet terminé, il n'était pas question que je le donne à Fleuve Noir, par exemple, parce que je savais qu'on m'aurait pas très bien accueilli. Et c'est comme ça que, voilà, je veux dire, c'est à partir de cette, je dirais pas de cette identification, mais d'un jeu et d'un hommage à cette panoplie existante que j'ai pu, je dirais, coincer la porte du roman. Bon. Et puis après les choses ont continué. Mais ça commençait comme ça. Donc vous dites, Jean Echenoz, que vous aviez envie d'écrire, mais écrire quoi? Et j'ai envie de vous poser la question, puisqu'on est ici pour parler de la fabrication des romans. Est-ce qu'on a besoin d'un sujet pour écrire un roman? Avez-vous besoin d'un sujet? Et pensez-vous d'abord en termes de sujet quand vous avez en tête un roman? Ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'un roman ne part jamais d'une idée, mais plutôt de deux. Ben, je vous disais tout à l'heure pour cette histoire de mélange entre une histoire de séisme et une histoire d'espace, mais ça c'était autre chose. Je me suis rendu compte que très, très souvent ça part de deux choses qui peuvent être qui n'ont rien à voir. D'abord qui ne sont pas forcément du. Ça peut être un pays, une zone géographique, ça peut être un métier, ça peut être une branche scientifique. Bon. Quelque chose que vous croisez dans votre vie? Oui, quelque chose que je croise dans ma vie, dont je ne sais généralement rien, et qui me séduit sur le plan de ce qu'on pourrait en faire. Précisément aussi peut-être parce que je n'en sais rien. Et que donc, ça suppose le découvrir, et faire que ces choses-là, ces deux ou trois éléments-là, sur lesquels je suis au départ donc très ignorant, mais qui me donnent le sentiment fondée ou pas d'une pertinence romanesque, en se croisant, en se confrontant, ils vont peut-être, et généralement ils finissent, enfin bon, par créer une espèce de mouvement qui sera un mouvement de fiction, qui sera moi je répète toujours un peu les mêmes trucs de toute façon, mais qui sera la possibilité d'une machine, quoi, d'un petit moteur de fiction. Alors par exemple, pour votre dernier roman, Envoyé spécial, comment est-ce que vous avez trouvé finalement cette idée, ces différents lieux? Il y a la Corée, il y a la DGSE, des lieux aussi dans Paris, il y a des métiers. Comment vous avez trouvé ces choses-là? Il y a même une éolienne, à un moment donné, vous avez visité une éolienne? Non, l'éolienne, je l'ai envisagée. Enfin, j'ai vu. Oui, enfin. Vous savez si on peut vivre dans une éolienne comme on le fait dans votre roman? Oh, ça doit être possible. Ouais.
Donc vous n'avez pas vérifié ce point? Non, j'ai pas eu la possibilité. Non, on m'aurait proposé de le faire, mais personne ne sait. Non, c'est parti. Si, je sais très bien. Ça part, je disais tout à l'heure deux ou trois éléments, mais ils peuvent être beaucoup plus nombreux. Là, en vérité, là, sur ce livre-là, j'avais le désir, mais alors il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, d'écrire quelque chose sur le baron Rampin. Vous voyez? Et puis j'ai laissé tomber, même je me suis documenté sur le baron Rampin, j'ai lu son livre. Mais j'ai laissé tomber. Mais l'idée de l'enlèvement avec Ronson, avec l'histoire du doigt et tout ça, ça c'est son chemin. Mais parce qu'il y a un petit doigt coupé dans le livre. Voilà. Mais qui est aussi un emprunt à un film, parce que ça, c'est à la fois dans la vraie histoire du baron Rampin et puis dans un film des frères Cohen, je crois. Et il y avait ça, il y avait une maison. J'avais besoin j'avais envie de travailler sur une maison isolée, au fin fond de la campagne française. Cette maison, je la connaissais, c'est la maison d'un ami et j'avais envie de l'utiliser, même si je l'ai déformée ensuite. J'avais envie de travailler sur un lieu qui représente, je dirais pas qui fait partie de l'axe du mal, parce que on parle pas comme ça, mais qui représente une espèce d'horreur anachronique, qui cette espèce, comment on dit, l'empire ermite de la Corée du Nord, précisément parce que on sait à la fois tout et rien là-dessus, et que donc ça permet des jeux. Voilà, c'est en fait la coexistence de ces quelques objets avec des lieux de Paris aussi, qui font que progressivement, on ne sait pas très bien comment, mais les choses se montent, c'est-à-dire on prend un élément par-ci et puis il y a une activité de documentation évidemment, bon, pour ces histoires sur la Corée. Il y a une. Vous n'y êtes pas allé. Non. J'aurais pu. On peut y aller. Mais tous les récits de voyage que j'ai fait m'en ont dissuadé. Vous aviez envie de revenir, c'est ça? Oui, non, mais parce que ce ne sont visiblement que des voyages tellement serrés, guidés, contraints que il suffit de lire les récits de voyage existants pour savoir que c'est pas. Bon, d'une certaine manière, c'est pas la peine d'y aller. Et puis, on peut parallèlement à ça trouver des images, des images filmées, des quantités d'articles de presse, des photographies, etc. Autant pour certains livres, je suis allé sur place, que ce soit pour un livre, j'étais parti en Inde du Sud pendant assez longtemps. Pour un autre, j'avais utilisé un endroit une ville du Pérou. Mais là, dans la Corée, je suis pas allé. Par contre, je suis beaucoup allé. Du côté de la place Franz Liszt, parce que pas loin de chez moi, parce que là je voulais qu'il y ait une scène très détaillée selon les immeubles qui s'y succèdent. C'était moins loin. Et là vous prenez des notes sur ce que vous voyez? Ben oui, je prends des notes, je prends des photos. Et quand est-ce que vous revenez à une photo? Dans l'écriture de votre livre? Quand est-ce que vous allez rechercher vos photos? Quand est-ce que vous allez rechercher vos notes? Vous les relisez avant de travailler? Les photos, j'y reviens jamais. Il suffit de prendre la photo et puis ça suffit, quoi. Bon, c'est une façon de la noter. Pour ce livre-là, il y a un personnage qui est, comme on dit, principal, qui habite, alors pas si près de chez moi, mais dans le 17e. Tout un voyage. Ouais, pas très loin du parc Monceau, vous voyez. Et là, c'est un peu ridicule, mais je pensais que je n'aurais pas à décrire l'immeuble où ce personnage habitait, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps, je sais pas, 2-3 jours, à chercher dans ce quartier l'immeuble qui pourrait correspondre à ça. Ensuite, ça se retrouve dans le livre résumé comme une annonce d'agence immobilière. Mais il fallait que, pour me fixer un peu les idées, pour me permettre de les voir, parce qu'il faut quand même un peu... Tout ce qu'on écrit, ça passe d'abord par une anticipation visuelle, enfin, une construction d'image. Il fallait que j'aie vraiment un endroit où je connaisse cet immeuble. Je ne suis pas entré, mais enfin, j'ai bien vu. Je savais qu'il était nécessaire qu'il fût exposé au sud, alors que c'est absolument pas indiqué dans le livre, mais quand je cherchais cet endroit, et je l'ai trouvé. Je sais plus dans quelle rue ça se trouve maintenant. C'est comme de chercher un appartement pour soi, finalement. On veut qu'il soit exposé au sud, voilà. Qu'il y ait un ascenseur. Dernier étage qu'on veut. Dernier étage. Calme et clair, ouais, si possible.
Combien de temps vous prend la préparation avant réellement de vous mettre à l'écriture? Tout ce travail de documentation, peut-être de plan aussi, vous pouvez peut-être nous dire si vous faites un plan, combien de temps finalement cela vous prend-il? Je ne sais pas très bien, parce que je sais, c'est assez variable. Ça dépend du travail de documentation préliminaire. Bon, pour ce dernier livre, je fais comme si j'avais amassé beaucoup. Si, c'est vrai, j'ai cherché pas mal de choses. Mais pour la série des trois livres courts qui étaient des vies, là par contre, il y a eu un travail de documentation beaucoup plus considérable, parce que c'était essentiellement des lectures. Enfin, pas seulement, si, surtout des lectures. Vous êtes allé à Montfort-l'Amaury, par exemple, chez Ravel. Montfort-l'Amaury, j'étais allé déjà plusieurs fois. Montfort-l'Amaury, c'est le mot de matrice est un peu fort, mais enfin, une des origines de ce livre-là. Pour l'histoire de l'athlète, j'ai passé quelques mois ici même dans la salle des microfilms dans la salle des microfilms. Il n'y a pas de salle des microfilms. Enfin, il y a un endroit où on peut voir des microfilms. Ça fait tout de suite des GSE. Non, il y a un où je pouvais. J'ai consulté sur microfilm donc tous les numéros de l'équipe de 45 à je sais plus jusqu'à la fin de l'activité des Mills et Topek. Ça fait une dizaine de. À peu près 3000 numéros. Et quand vous écrivez, c'est la première phrase de Ravel, on s'en veut quelquefois de sortir de son bain. Quand vous écrivez cette phrase, est-ce que vous voyez la baignoire de Ravel? Comment vous arrivez à cette première phrase, Jean Echenoz? J'y arrive de deux façons. C'est que je veux que ça commence dans sa salle de bain, parce que Ça, vous le savez déjà? Oui, ça, je savais que je voulais que ça commence dans ce lieu-là, parce que la maison de Maurice Ravel, j'y suis allé plusieurs fois. La salle de bain est pour moi le lieu le plus émouvant. Enfin, il y a le bureau avec le piano qui est la bibliothèque qui est cachée, c'est-à-dire une fausse cloison. Enfin, bon, il y a beaucoup de points qui sont très très touchants. Surtout que c'est une maison très singulière. Mais pour moi, la salle de bain, c'était là que ça devait commencer. Quant à la phrase que vous citez, là, par laquelle s'ouvre le livre, elle a dû connaître 10-15 états successifs avant que je me dise, bon, on va faire comme ça, même si c'est un alexandrin, bon, tant pis. Il a fallu que vous preniez un bain, peut-être, pour vous mettre dans les conditions. Non, mais je sais que les pieds de la baignoire ne sont pas comme je le décris, mais ça, c'est des choses qu'on peut se permettre, quoi, il y a deux idées. Alors, Jean Echenoz, vous nous avez raconté comment vous travaillez. Peut-être pourriez-vous nous raconter à présent comment vous en êtes venu à vous construire en tant qu'écrivain, et notamment à travers les autres arts qui, j'imagine, vous ont nourri. On pourrait peut-être commencer par la musique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident. D'abord, il y a votre fils qui est musicien. Ah, c'est vrai. Jérôme, né en 75 et membre d'un 76. Groupe de hip-hop 76. Qui a beaucoup de succès, hein, TTC. Mais il y a aussi beaucoup de personnages de musiciens dans votre œuvre. Alors, quel est votre rapport avec la musique et comment la musique peut-elle inspirer vos livres? C'est difficile à dire, parce que ça suppose plusieurs choses. Ça suppose par exemple une transposition des premières émotions musicales avec les tentatives d'émotions graphiques, si je peux dire, qu'on essaie de mettre en place. Moi, je crois qu'il y a des œuvres musicales qui ont eu une influence, mais enfin un rôle dans la construction des phrases, des paragraphes, des sonorités, etc. Sur le plan de l'écriture. Il se trouve que dans l'enfance, enfin les deux choses qui m'ont immédiatement stupéfaite, qui étaient des choses différentes, c'était d'une part, mais là je suis très presque enfant, quoi, c'était le Sacre du Printemps et l'œuvre pour piano de Maurice Ravel précisément. Bon, ça c'était des choses qu'écoutaient mes parents, et bon, ils écoutaient beaucoup de choses, mais ces deux œuvres sont restées parce que elles étaient aussi, j'aime pas trop l'adjectif secouant, mais enfin, elles étaient aussi, elles animaient autant spontanément
que un peu plus tard, ou déjà à ce moment-là, la lecture de certains romans va m'animer. Je veux dire, ma première lecture de Dickens, par exemple, c'est quelque chose qui vous coupe du monde, quoi. Voilà. Bon, mais revenons. Bon, la musique. Bon, ensuite, je sais pas, dans mon adolescence, c'est la découverte de Thelonious Monk, notamment, qui était aussi pour moi une. J'aime pas non plus le mot inspiration, mais enfin, dont le travail sur les dissonances, les déséquilibres, etc. Tout ça, ça a dû jouer dans certaines choses que j'aime faire. Quant à la musique dans les romans, elle a surtout aussi, elle n'est pas tellement invoquée. Elle a un rôle d'illustration, de marquage. Mettre de la musique dans un livre, c'est pas forcément lui rendre hommage. C'est aussi une façon de marquer les personnages, comme si vous aurez un stylo Waterman plutôt que Parker. C'est pas une différence très sensible. Bon, disons, vous aurez un Bic plutôt qu'un Mont Blanc. Bon, déjà, je veux dire, c'est le lien du personnage aux objets, ça permet de le marquer socialement. Et la musique joue ce rôle de marqueur. Je veux dire, on peut définir, ça fait partie des éléments de définition d'un personnage, de dire qu'il écoute plutôt Anthony Braxton que Serge Lama, disons, pour parler vite, quoi. Mais est-ce que la construction de la phrase de Thelonious Monk n'a pas pu jouer aussi dans l'idée que vous faisiez de la construction d'une phrase dans votre prose? Ah oui, mais c'est ce que je vous dis. Oui, je crois que c'est... Donc ça n'est pas que la définition du personnage, c'est aussi... Non. Ce sont deux choses. C'est que d'une part, il y a eu les œuvres musicales qui ont eu une espèce d'effet sur le travail d'écriture, ça c'est une chose. Et puis ce que je disais après, c'est dans le cours d'un roman, on cite telle ou telle chose, mais encore une fois, pas en hommage, en marquage. Dans Envoyé spécial, il y a le personnage de Tosk, qui est un compositeur, qui écrit des chansons qui ont un nom, qui ont des noms très amusants. Bah oui, mais ça c'était un peu des gags, quoi, oui. Donc il y a Dents de sagesse, par exemple, qui est un des grands tubes de Tosk. Oui, ça, je ne l'ai pas écrit. Vous n'avez pas écrit Dents de sagesse? Les paroles, si, j'ai écrit le titre, mais je n'ai pas écrit le texte. Oui. Vous avez écrit le texte de quelle chanson, alors? Excessif. Ah oui, Excessif. Ça, je l'ai écrit. Mais j'ai préféré ne pas le mettre dans le livre, parce que... Ah, donc vous écrivez quand même les paroles de certaines non, des chansons. Non, Excessif, je l'avais écrit il y a très longtemps. C'est une chanson d'une stupidité. Mais je trouvais que le titre était pas mal. Et puis le titre était utilisé déjà dans Les Grandes Blondes. Mais par exemple, Dents de Sagesse, ça vous est venu comment? Je sais pas, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal une chanson qui s'appellerait Dents de Sagesse, quoi. Voilà, Est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant? Non. Enfin, je peux écouter de la musique si je fais une espèce de mise en place un peu vague et tout ça, mais dès qu'il s'agit d'être un peu précis sur ce qu'on raconte et sur la façon dont on le raconte, non, pas de, ce serait plutôt gênant. Vous vous définiriez comme un visuel ou comme un auditif d'abord? Ah, je travaille dans l'audiovisuel. Ouais. Dans le cinéma, vous travaillez dans le cinéma? Non, je veux dire, d'une part, je peux pas imaginer une scène, je peux pas écrire sur une scène sans que je n'ai pas une représentation visuelle précise, inventée et aussi construite sur des éléments que je trouve, sur des images, sur des dessins, etc. Ça, c'est le côté visuel. Et le côté audio, c'est que je ne peux pas écrire une phrase sans être en priorité à l'affût du bruit qu'elle fait. Enfin, ça fait partie intégrante des choses. Et puis, d'écrire quelque chose, c'est avoir envie de donner à voir. Et je crois que le son, les rythmes, les cassures, les césures, les syncopes, etc., dans la phrase, ça fait partie de cet effet. Enfin, j'espère, c'est une espèce de pari comme ça. Ça fait partie de cet effort de représentation. Vous me tendez une perche très évidente. Parmi ce qui vous a nourri, il y a vraisemblablement le cinéma. En particulier, quel cinéaste? J'ai pu voir passer le nom d'Hitchcock, par exemple. Oui, bien sûr. Oui, un peu comme tout le monde, je crois, quand même. Oui.
C'est-à-dire qu'il y a eu une période dans ma vie où j'étais extrêmement oisif et où c'était cette période dont je parlais tout à l'heure, où on a envie d'écrire au sens intransitif, mais c'est tellement intransitif qu'on n'écrit pas, quoi. Et donc j'ai passé pas mal d'années, je sais pas, vers 25 ans par là, je passais ma vie au cinéma parce que d'abord par plaisir et puis aussi parce que j'ai l'impression que le cinéma m'a donné des... J'ai appris des choses sur le roman, enfin sur la façon dont je pourrais idéalement écrire un roman. J'ai le sentiment d'avoir appris beaucoup de choses au cinéma sur le fait que qu'on pouvait importer, ça n'a rien d'original, tous les auteurs font plus ou moins ça, enfin je sais pas, le fait qu'on pouvait importer des techniques, qu'on pouvait importer des mouvements de caméra, des champs contre champs, des travelling, des effets de plan rapprochés, etc. Et que ça c'était utilisable, qu'il y avait une rhétorique du cinéma, mais ça j'ai l'impression d'en radoter parce que je raconte ça depuis des années, mais qu'il y avait une grammaire du cinéma donc qu'on pouvait utiliser, qui avait son efficace ou son efficacité dans le roman. Alors bien sûr, il y a des cinéastes qui ont beaucoup compté, en effet, Hitchcock, beaucoup. Je pourrais en citer Minelli, Lang, je pourrais en citer des dizaines. Mais c'était surtout cette découverte qui est pas que moi, j'ai pas découvert le cinéma à 25 ans, je suis allé beaucoup dans ma jeunesse antérieure, mais dans ces années-là, j'avais l'impression non, ce que je vais dire est un mensonge. J'y allais pour apprendre des choses sur la littérature. Non, c'est pas vrai, j'y allais pour aller au cinéma, mais j'ai le sentiment que a posteriori, maintenant, quand j'y repense, que j'y allais aussi pour ça, parce que j'y apprenais des choses qui peut-être pourraient me servir un jour, et que j'ai utilisées. En fait. Donc, vous travaillez dans l'audiovisuel. Oui. Et comme aujourd'hui on parle technique, qu'est-ce que vous faites bien alors? Vous faites les travelling bien, vous faites les scénarios bien, vous découpez les scènes. Je fais rien de bien. J'essaie de faire. Oui. Qu'est-ce que vous préférez faire alors? Du montage, ouais, de la musique de film. Oui. Parce que la musique de film, c'est la phrase aussi, quoi. Parce que c'est très, très particulier, la musique de film. Non, je sais pas ce que je fais de bien en particulier, mais j'aime bien l'idée de montage, de rythme, et de mouvement. Enfin, je serais incapable d'écrire, d'écrire énormément de choses, mais quelque chose qui, sans mouvement et sans lieu, et sans passage un peu permanent de lieu à d'autres, c'est pour moi une espèce d'impératif et donc de limite. Qu'est-ce qui est effrayant, Jean Echenoz, quand on écrit un livre ? Il y a beaucoup de choses effrayantes. Ce qui est effrayant, c'est que on a beau faire ça depuis quand même pas loin de 40 ans. 37 ans, je crois seulement. Oui, mais je pars du début du premier livre avant sa publication. Je tiens à être très très rigoureux. Oui, là j'essaie d'être pas loin de 40 ans. Non, ce qui est effrayant, c'est que chaque fois que ça ne marche pas, eh ben ça ne marchera plus jamais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'habituer à ces moments où ça marche pas. À l'évidence, ce truc ne va pas. Non seulement il ne va pas, mais il ne peut pas aller, et d'ailleurs il n'ira jamais, et d'ailleurs plus rien n'ira jamais, et tout est foutu. Et c'est curieux parce qu'en vieillissant, on pourrait se dire je vais prendre l'habitude de ces moments qui sont un peu, je vais prendre un verre d'eau, je vais faire un tour, lire le journal. Non, c'est foutu. C'est foutu, y compris demain, après-demain, la semaine prochaine. C'est foutu pour toujours. Et ça, vous le savez? Oui. Alors comme malgré tout, je m'y remets le lendemain. C'est une torture. Quelquefois, c'est un an, parce que je voudrais pas non plus présenter cette activité comme un calvaire, parce que c'est un peu la condition de ma vie, c'est le plaisir de ma vie. Mais ce qui est curieux, c'est que cette anxiété, cette angoisse-là, est inusable. De la même façon, on a beau avoir pu écrire, 10, 12, 15 livres, on commence un nouveau livre et c'est comme si on n'avait jamais rien fait. Enfin, en principe, il y a des métiers où quand on fabrique des tables, au bout d'un moment, les tables, on les fait de mieux en mieux, quoi. Elles sont mieux équilibrées,
Et moi, je me rends compte que c'est chaque fois comme si je faisais un premier livre, avec l'espèce de vertige que ça implique. Et avec cette complication supplémentaire, c'est que non seulement c'est comme si c'était le premier, mais je sais bien que j'en ai fait d'autres, donc il ne faut pas refaire ce que j'ai fait avant. Alors ça devient. Donc ça se rétrécit comme ça au fur et Ouais, à ça se mesure. C'est de plus en rétrécit. plus angoissant alors. Oui et non, parce qu'en même temps, c'est de plus en plus intéressant. Parce que si ça se répétait, ça serait angoissant. Quand j'ai fait cette espèce de série de trois vies, je me suis arrêté. Au fond, ça me plaisait assez cet exercice, mais je me suis arrêté parce que la troisième, ça commençait à être, je dirais pas facile, mais enfin, Il y avait un filon. il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et quand ça devient facile, c'est très mauvais signe. Mais tout de même, d'un livre à l'autre, est-ce qu'il n'y a pas des forces qui jouent entre les livres? Est-ce qu'on écrit un livre pour poursuivre sur une voie ouverte par un livre précédent? Est-ce qu'on l'écrit au contraire en opposition? Comment vos livres se repoussent-ils ou au contraire s'attirent-ils les uns avec les autres? Il y a plusieurs choses. C'est que d'une part, non, la chose la plus importante, qui est une banalité sans nom, c'est que, mais ça je l'ai entendu dire tellement que je. Et c'est vrai, c'est qu'on aimerait bien toujours faire un livre contre les autres. Bon, mais ça, le nombre de cinéastes, de compositeurs, de peintres, j'ai entendu raconter ça, c'est une grande banalité, mais c'est vrai, on fait un peu ce. On a envie de faire quelque chose qui renvoie le reste au. Enfin, on a envie de faire quelque chose de tout à fait neuf. Le problème, c'est qu'on ne fait jamais quelque chose de tout à fait neuf parce qu'on n'échappe pas à son écriture et que malgré des efforts, tous les efforts qu'on peut faire, on tombe toujours sur les mêmes façons de traiter des personnages, des situations, des objets, des lieux. Et à ça, on n'échappe pas. On n'échappe pas à sa façon de faire. Mais l'idéal, ça serait toujours de faire autre chose. Mais ça, je me demande si c'est pas, si en fait tous les livres qu'on peut écrire ne sont pas chacun des prête-noms. Les prête-noms d'un livre imaginaire qu'on voulait faire depuis toujours, qu'on n'écrira jamais, dont on ne sait rien. Mais vous avez compris ce que vous cherchiez en écrivant, parce que maintenant vous avez quand même, vous pouvez même relire vos livres pour Ben essayer ça, de, non. non? Ah non, 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 mon Dieu. Enfin, Non, si vous les relisiez, non. vous pourriez peut-être découvrir, ah mais en fait, ce que je veux dire, ce que je veux faire avec la littérature, c'est ça. Non. Non, parce que si relire un de ces livres, c'est s'exposer à deux choses également pénibles, la honte et la satisfaction. Parce que, bon, la honte, c'est comment j'ai pu faire ça, et la satisfaction, c'est au fond, c'était pas si mal. Et les deux sentiments sont. Enfin, moi, évidemment, je préfère le deuxième, enfin, c'est risqué. Je préfère pas relire justement pour qu'il n'y ait rien qui puisse me menacer de me faire revenir à des espèces d'états antérieurs comme ça. Donc vous dites que vous avez des doutes quand vous écrivez, si j'ai bien compris, et en même temps, vous arrivez systématiquement à la fin de vos livres, ou alors il y a des livres qui sont inachevés que vous avez dans vos tiroirs. Est-ce que quand vous commencez un livre, en général, vous savez que vous pouvez aller au bout? Oui, parce que je commence. C'est difficile à dire parce qu'en fait c'est toujours différent. Mais je crois que j'ai toujours une idée à la fois suffisamment ferme et suffisamment souple du fil qui va mener tout ça. Par exemple, C'est pour envoyer précisément pour ça que je fais spécial. rien en ce moment parce que Oui. j'ai pas encore ce fil, quoi. Oui. Et il vient tout d'un coup, ce fil? Non, c'est ça. Il faut beaucoup de temps. Oui. Il faut beaucoup de Mais temps. dans l'intervalle, vous faites quoi? Vous vous promenez? Vous avez une manière de chercher les fils, de les coudre Oh ben ensemble? je fais des lectures. Je cherche des choses qui pourraient être un peu adjacentes à un projet qui est encore un peu obscur, mais enfin.
Bah, c'est un peu ce que je vous disais, la série d'éléments à partir desquels je faisais le dernier roman, là. C'est une collection d'objets qui, soudain, bizarrement, s'organise. Bah, non, ce que je vous disais, j'ai une vague idée de ce qui va se passer. Avant, j'avais un système de fiches. Mais ça fait 15 ou 20 ans que je le fais plus, ça. Mais j'avais un système de fiches. C'était une fiche par chapitre, une couleur par personnage et des indications de lieu. Ce qui fait que quand j'étalais tout, j'avais des équilibres. Ça sautait aux yeux, les équilibres de couleurs. Bon, donc les personnages étaient assez bien répartis. Les lieux aussi, bon. Ça, j'ai eu besoin de le faire, je sais pas, pour les premiers livres, je l'ai fait. Maintenant, je garde l'idée, et maintenant j'ai l'impression même que si je refaisais ce système de fiches, ça figerait un peu trop le projet. Donc je préfère l'avoir dans la tête, mais ce que je peux faire, c'est de temps en temps des espèces de récapitulatifs de ce qui doit être encore fait, mais, c'est chaque fois, enfin en vérité c'est chaque fois, maintenant c'est un peu chaque fois différent. J'aime bien savoir où je vais et j'aime bien aussi qu'il y ait des surprises possibles, mais j'aime bien quand même savoir à peu près où je vais, quoi. Si je serais pas capable d'improviser une histoire d'une phrase à la suivante, ça je pourrais pas. Est-ce que vous avez besoin de conditions matérielles particulières? On a dit que vous n'écoutiez pas de musique, mais peut-être y a-t-il des choses qui vous empêchent d'écrire? Je ne sais pas, avoir quelqu'un dans la même pièce que vous, par exemple. Est-ce que vous avez besoin d'un type, quand même, d'écosystème autour de vous pour pouvoir écrire vos livres? Non, j'ai aucune manie. Je pourrais pas être, en effet, là, je pourrais pas travailler si vous êtes là. Si je regarde comme ça? Oui, non. Mais à part ça, non, ce dont j'ai besoin, c'est très simple, c'est travailler le matin, et puis, tant que je peux, et puis, mais ça peut être chez moi, ça peut être ailleurs, c'est pas, non, j'ai pas de nécessité là-dessus. Est-ce que vous travaillez avec un éditeur de manière très proche? Est-ce que cet éditeur-là vous aiguille, vous aide, ou est-ce que vous travaillez plus seul que cela? Non, je travaille tout à fait seul. Je travaille tout à fait seul. J'ai un rapport depuis très longtemps avec la même maison d'édition où je suis très bien. C'est un biotope parfait. Mais quand j'ai fini quelque chose, je le donne à mon éditrice. Et puis voilà, quoi. Et pendant le temps du travail, je me plains quelquefois au téléphone, mais ça est l'habitude. Donc j'ai même plus le droit de me plaindre parce que plus personne ne me prend au sérieux. Et qu'est-ce qu'elle vous dit alors? Elle me dit, ça fait 35 ans que tu me dis ça, et donc voilà. Non, je peux plus me plaindre auprès de mes amis parce que ils me diront la même chose. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'éditeur, et puis je crois qu'un éditeur, au fond, je suis pas sûr que ça l'intéresse. Moi, je me souviens, Jérôme Lindon, quand je lui parlais de mes petites difficultés, parce que comme c'était un garçon assez, enfin c'est un personnage qui avait une immense qualité, mais qui était un peu pervers aussi, si je me risquais à lui dire, vous voyez, là je suis embêté parce que j'ai deux personnages qui sont, là je sais vraiment pas qu'en faire, au lieu de me dire ça va s'arranger, il me disait là j'aimerais pas être à votre place, moi je pense que vous en tirerez pas. Donc avec Lindon, j'ai compris qu'il fallait pas insister. C'était pas bon. Et sa fille qui a pris sa place, bon, je vais pas l'embêter avec mes histoires non plus. Elle a ce côté moins double bind que pouvait avoir Lindon, mais bon, je me débrouille tout seul. Ça sert à quoi un éditeur alors? Ça sert à quoi un éditeur? Parce que vous avez gardé le même éditeur, c'est sûrement pas pour rien, c'est bien que ça sert à quelque chose. Mais oui, mais comme je vous disais, les éditions de Minuit, c'est mon biotope, quoi. J'y suis très bien parce que j'y suis très bien, c'est une petite maison, un des liens d'amitié, ça sert parce qu'on peut justement discuter sur un manuscrit, sur des tels points. Moi, il peut arriver que des auteurs, ça arrive que des auteurs sont amenés à reprendre leur texte sur la suggestion de l'éditeur. Moi, j'ai jamais eu ce problème, mais on peut discuter sur un mot, sur une répétition, sur une phrase qui se... Est-ce que tu es sûr que ça sonne bien ou pas? Est-ce que...
c'est soit l'interlocuteur, soit moi qui enfin, en général, c'est moi qui décide, quoi. Mais un éditeur sert précisément aussi sur un manuscrit, sur un texte, sur un tapuscrit, ce qu'on voudra achever, à échanger un peu. Parce qu'en fait, une fois que vous apportez un texte qui est, pour des raisons un peu mystérieuses, vous considérez comme fini, en fait, ce texte, vous n'en savez rien. Vous avez passé un an, deux ans, peut-être plus avec, mais c'est un objet aveugle, quoi, c'est un objet anonyme. Et le fait d'en parler avec l'éditeur, pas seulement sur l'angle des éventuelles corrections, mais sur le fait d'en parler, déjà, ça commence à lui donner une vie avant que ce texte devienne un livre, et là, il ne vous appartient plus, et c'est fini. Mais c'est peut-être ça, en parlant d'un livre, on arrive à se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, peut-être. Dans le cours du travail, non. Je n'ai pas cette expérience. Non, non. Mais du coup, avec vos proches, par exemple, vous ne pouvez pas raconter votre journée. Aujourd'hui, j'ai écrit telle scène. Ah non, jamais. J'ai pas beaucoup d'amis qui écrivains, comme on dit. J'en ai quelques-uns en ce moment. D'ailleurs, même en avoir un ou deux ici. Enfin, un, je crois. Mais nous ne parlons jamais de ce que. Enfin, moi, je ne parle jamais de ce que je fabrique avec les gens qui font le même travail que moi. Et pourtant, parfois, il vous est arrivé de travailler avec d'autres personnes, quand vous avez travaillé précisément pour des scénarios. Non. 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 Parce que vous avez écrit des scénarios, Jean Echenoz. Non. Non. Ah si, oui, mais j'ai co-écrit un scénario, mais ça c'était dans les années 70, ça c'était bien avant mon premier... 82, je crois. C'était quoi ça? Le rose et le blanc. Ah oui, c'était ça. Je dis les années 70 parce qu'il a mis 10 ans à être monté, ce film. Oui, ce qui a eu un succès, qui reste une bonne semaine en salle. Et là, ce travail à plusieurs ne vous a pas particulièrement stimulé. En tout cas, ça n'est pas quelque chose qui vous manque. Vous ne vous sentez pas seul quand vous travaillez seul toute la journée. Non, non, je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un. Mais il est vrai que ce scénario-là, qui était... on a mis très longtemps à l'écrire. C'était avec son réalisateur, Robert Pensarbesson. Et une fois qu'on a écrit ensemble, parce que c'était une coécriture, une fois qu'on a écrit ensemble ce scénario, lui, il est parti. Et il est parti chercher un producteur, chercher des acteurs, chercher de quoi monter le film. Et moi, son travail commençait d'une certaine manière. Et moi, je me suis retrouvé seul comme un crétin. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé mon premier roman. Où je me suis dit, bon, d'accord, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et peut-être dans l'entraînement de ce travail à deux qui était ingrat, parce que écrire un scénario, ça n'a vraiment rien à voir avec la fabrication romanesque. Ça, c'était un petit tremplin, si on veut. Mais je méditais ça, si je puis dire, depuis longtemps. Si, peut-être que si vous n'avez pas... Malgré le fait que vous travailliez dans l'audiovisuel, si vous n'avez fait que très peu de cinéma et de scénarios, c'est peut-être parce que précisément ce qui vous intéresse le plus, c'est la phrase, c'est la manière dont vous faites passer des émotions par la langue elle-même, Jean Echenoz. Bien entendu, un scénario c'est fait pour être jeté, c'est une espèce d'état intermédiaire vers quelque chose qui sera un objet plus ou moins beau, qui sera un film de cinéma. Un scénario en soi, ça n'a pas d'existence. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est finir des objets. De toute façon, j'aurais jamais pu faire du cinéma parce que j'aime pas travailler avec des gens. Donc, au moins, quand on écrit des romans, on est seul, on est tranquille. Enfin, tranquille. Au moins, il n'y a personne. Et cette phrase de Jean Echenoz, d'où vient-elle? De quels écrivains? On a pu citer le nom de Flaubert, mais de quels écrivains qui vous ont précédé est-elle constituée, cette phrase? Oh, elle est constituée certainement de cet ensemble, de toutes ces lectures qu'on a... Enfin, je sais pas, parce que de toutes ces lectures qu'on a accumulées depuis l'enfance, et toutes ces lectures, c'était comme...
C'était comme des fenêtres, enfin des fenêtres très très différentes qui donnent des lumières différentes, des couleurs différentes, des trucs qui fabriquent cette espèce de sensibilité. D'ailleurs, je crois que j'attendais que ça. Je sais pas ce qu'on pourrait appeler la littérature. Moi, je pourrais pas vous dire un nom. Bon, évidemment, il y a le modèle Flaubert, mais bon, ça on va pas. Il est vrai qu'il est très, il est important pour moi, à beaucoup d'égards. Mais bon, ça va avec le modèle Flaubert, quoi. Mais non, c'est, je sais pas, entre tout ce qu'on a pu lire, je prends trois noms, Stevenson, Conran, Nabokov, je pourrais en prendre 30, je pourrais peut-être en prendre 300, je sais pas si je pourrais en prendre plus. Mais, cet apprentissage et ce bonheur de la lecture qui paraît une espèce d'effet. Enfin, c'est une banalité ce que je dis. Oui, mais c'est peut-être parce que c'est tellement vrai que universellement partagé. Ben voilà, ouais. Oui, ça donne envie de s'y mettre à son tour, parce que bon, c'est le grand jeu quand même, quoi. D'une façon, même si on écrit des choses quelquefois un peu futiles, je veux dire, le dernier livre, c'est une comédie, hein, bon. Mais il n'empêche que même dans le mode de la comédie, que je revendique un peu pour le dernier livre, un peu futile et joueur, c'est de toute façon, c'est quand même le grand jeu. C'était de faire rire le plus important? Non. Non, dans ce dernier livre. Donc non, c'est pas inintentionnel. Bon, je veux dire, tant mieux. Non, c'est de faire vivre beaucoup plus que. Bon, si ça fait rire, parce que bon, à certains moments, j'ai envie de mettre de la distance et qu'il y ait du sourire. Ça, c'est très bien. Mais c'est de faire vivre une histoire qui est plus important. Faire vivre une histoire ou des personnages? Une histoire et plus qu'une histoire. Enfin, encore une fois, une mécanique, quoi. Et les personnages doivent être très incarnés, ou ça n'est pas nécessaire? Ben, faut que je les voie à peu près. Ça ne veut pas dire que je les décris toujours à la même échelle. Au départ, ce sont des... Parce que comme je fais des versions successives, au départ, c'est un peu des silhouettes, et puis ensuite, ils se précisent, mais quelquefois, juste un prénom suffit à les définir. Est-ce qu'on progresse dans son art, Jean Reichenhaus? Non, je crois pas. Enfin, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème, c'est que je sais pas du tout si on progresse, mais en tout cas, on évite de répéter. Donc déjà, ça, ça fait partie intégrante de la progression. On a fait des choses, on peut plus les faire. Donc on est bien obligé d'avancer. Il y a des écrivains qui refont toujours le même livre, de bons écrivains. C'est leur affaire, oui. Ouais. Mais je pense qu'on fait aussi toujours le même livre. Mais on essaie de... C'est ce que je vous disais. Hein. C'est vraiment... On écrit toujours c'est une histoire de prête-nom, le prête-nom d'un livre idéal, qui n'est évidemment jamais celui qu'on voudrait. C'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'il faut s'y remettre, quoi. Donc, au fond... Si l'on lit de vous Shiroki ou Je m'en vais ou Ravel, il n'y a pas pour vous de progression. C'est comme si ces livres avaient été écrits par la même personne au même âge. Non. Il y a des différences quand même. Oui. Bah oui. Oui. Donc il y a une trajectoire dans votre œuvre quand même. Oui, mais ça, elle est difficile à évaluer parce que. Elle est difficile à évaluer parce que c'est aussi des accidents de parcours. Si chaque livre, c'est un peu un événement imprévu. Et je sais que, par exemple, à l'époque où j'écrivais... C'est drôle, vous avez cité Shiroki et Ravel, c'était les deux livres les plus difficiles à écrire de tous. Mais je sais que, par exemple, à l'époque où j'écrivais, bon, Shiroki, c'était les années 80, j'aurais jamais imaginé un instant qu'un jour, j'écrirais quelque chose... sur la guerre de 14. Bon. Mais ça, c'est des espèces d'accidents, d'espèces de rencontres aussi. L'histoire Ravel, ça s'est passé comme ça aussi, par un... On peut dire accident industriel, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Enfin, des espèces d'étrangetés. Pourquoi c'était plus difficile que les autres, Shiroki et Ravel? Qui n'ont rien à voir, là. Ah non, qui n'ont vraiment rien à voir. Mais Shiroki, c'est parce que... Je ne sais plus. Si, je sais. Parce que, curieusement, le premier livre...
dont je me demandais, quand on écrit un premier livre, on se pose pas de la question de la publication. On écrit parce qu'on a envie. J'ai le souvenir d'avoir écrit mon premier roman, bon, il y a donc assez longtemps, dans un état de liberté complète, qui était un plaisir. Où là, il n'y a pas le phénomène de désespoir récurrent que je vous décris. Là, j'ai le souvenir, j'étais tranquille, j'inventais quelque chose pour moi. Bon. Chez Rocky, c'était plus difficile parce que un livre existait déjà et bon, il fallait, fallait en faire un autre, un vrai. Mm. Bon. J'avais plus cette espèce de fraîcheur du premier roman. Et Revel, c'était absolument atroce parce que c'était la première fois que je travaillais vraiment sur une vie réelle. Et en même temps, je voulais que ce soit au plus près de cette vie réelle. Et dans la mesure où je me permets d'être un peu romancier, je voulais qu'il y ait des marges de fiction, mais qu'il soit chaque fois des choses plausibles. La rencontre avec le traducteur de Conrad, par exemple, rien n'atteste de ça, mais c'est plausible. Il y a différentes choses dans ce petit livre qui ne sont pas dans les textes qui concernent de près Maurice Ravel, dont je me suis servi, enfin surtout du livre de Marcel Marna. Et donc c'était une espèce de ligne de crête très très difficile à tenir entre ce qui était de l'ordre du vrai et ce que je pouvais ajouter de l'ordre du vraisemblable ou de la peine romancée, ou du romancé tout simplement. Et comme j'avais jamais fait ça, je sais que c'est un livre que j'ai abandonné définitivement deux fois. Et puis après, il est dans une malle. On se dit, j'ai quand même passé un an là-dessus. C'est... Ouais, donc il y a un rapport presque un peu utilitaire, ou du dehors, quand même, un an. Non, ça vient de le finir. Mais non, c'est qu'on s'attache aussi. C'est que je m'étais attaché à cette affaire, mais c'était vraiment. Enfin, j'ai le souvenir, c'était infaisable. Mais comme j'avais. En même temps, en plus, le personnage de Ravel est un personnage tellement mystérieux, ambivalent, complexe, que personne n'a réussi à élucider, moi encore moins, évidemment, qu'il y avait une espèce de double mystère. Pourquoi est-ce que ce personnage est si mystérieux et pourquoi j'arrive pas à faire ça? Alors que j'ai tous les éléments, j'ai des dizaines de livres, j'ai des photos il se passe plein de choses que je peux utiliser. Pourquoi j'y arrive pas? Et vous vous souvenez du déclenchement, de ce qui a permis justement que vous y arriviez? Non, je me souviens. Oh non, le déclenchement, ça a dû être. Bon, ça fait 3 semaines que j'ai rien fait. Au fond, je pourrais peut-être ouvrir la malle, quoi. Oui, mais du coup, vous avez quand même écrit ce oui. livre. Oui, mais c'était. Oui, je crois que c'était une des. C'était une écriture. Oui, j'aime pas l'idée de qu'on crée dans la douleur du tout, parce que je pense que c'est pas. On le ferait pas. Hein. Mais celui-là était un peu douloureux, ouais, quelquefois. Je n'ai pas dit dans ma présentation que vous étiez né à Orange, que vous aviez grandi dans le sud de la France, que vous aviez fait des études de sociologie et de génie civil. Mais ça, c'est pas vrai. J'ai jamais fait d'études de génie civil. Pourtant, il y a 4 sources qui l'attestent. Oui, mais c'est faux. C'est une mystification. Pardon ? C'est une mystification que vous avez lancée ? Ouais, mais j'en suis pas fier. C'est parce que j'en suis pas fier du tout. C'était il y a très longtemps. On m'avait demandé d'écrire une espèce de petite autobiographie en quelques lignes. Et je l'ai faite. J'ai écrit la vraie. Et je me suis dit, elle a vraiment aucun intérêt. Et je me suis dit, au lieu de Orange, je suis pas très content d'être né Orange. J'ai mis Valenciennes parce que je trouvais que c'était plus joli. Et plutôt que de sociologie, j'ai mis génie civil parce que je trouvais que génie civil, ça avait de l'allure, quoi. Et de toute façon, c'était tout à fait aussi absurde, Orange et la sociologie, que Valenciennes et le génie civil. Et maintenant, ça vous poursuit, ça vous amuse plutôt. Maintenant, j'aurais jamais dû faire ça, parce que maintenant, quelquefois, j'ai des éditions étrangères où je vois que je suis né à Valenciennes. En même temps, je m'en fous. Et la sociologie, alors, quand même, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça, j'ai commencé quand je suis arrivé à l'université, il fallait bien faire quelque chose. Et je voulais, comme il n'y avait que la littérature qui m'intéressait, je voulais surtout pas faire d'études de lettres. Donc, je me suis dit, tiens, l'ethnographie, ça va être pas mal.
Puis voilà, j'ai fait de la sociologie. J'ai fait quelques études. J'ai jamais fait d'ethnographie. J'ai jamais rien fait du tout. Voilà. Et vous êtes un peu sociologue quand vous écrivez des romans? Je pense que ça, il y a des choses qui m'ont servi. Il y a des choses qui m'ont servi. Oui. Je pense qu'il y a des. Enfin, c'est très très lointain, mais il y a des lectures. Il y a des lectures qui m'ont servi. Puis il y avait des exercices. Je sais pas. Je me souviens de plusieurs reprises dans ces lointaines études, une espèce de sociologie urbaine. Des trucs de dérive qu'on pouvait faire comme ça dans la ville, qui ont été un peu. Mais de toute façon, je traînais pas mal avant, quoi. Si vous n'aviez pas été écrivain, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Vous auriez été sociologue alors? J'aime mieux pas me poser la question. Non, je crois que je serais pas très frais. En 1999, vous avez donc gagné le prix Goncourt pour Je m'en vais. Est-ce que c'est une bonne expérience dans la vie d'un écrivain? Pour quelqu'un qui, 6 mois avant, avait demandé une bourse au Centre national du livre, ça s'appelait CNL à l'époque, Centre national des lettres, c'est-à-dire que je n'avais pas un sou, ça c'était une très 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 bonne expérience, ouais, ça c'était bien. Qu'est-ce que ça a changé alors pour vous? Ce que je viens de vous dire, Mais seulement ça, les j'imagine que rapports la avec la célébrité qui banque, vient plus avec harmonieux. doit changer des choses. Non, le simple fait qu'on se dit, bon, je suis tranquille, le prix en soi, c'est bon, bah, oui, c'est bien, mais c'est simplement que ça vous donne une liberté, quoi, matérielle. Je ne vois que ça. C'est pas une reconnaissance pour vous? Oh. Évidemment, c'est tellement fétichisé. En France, le prix Goncourt, c'est très. Ouais, mais il y a tellement de gens qui ont eu. Ah bah, chaque année, il y en a un de Ouais, plus. il n'y a pas forcément de quoi être fier, quoi. Mais en effet, ça simplifie la vie. Mais. Vous avez un Goncourt préféré, quand même? Oh, non, oui, Proust. Ce genre de concours-là. Merci beaucoup, Jean Merci Echenoz. beaucoup.